les gens me poussent à faire les directs. Oh mon Dieu. Les gens me poussent à faire les directs. Je ne suis même pas encore arrivée. Wesh, mon Dieu. C'est quelle secte que je suis entrée dedans. J'ai déjà annoncé que je vais faire le direct demain. Ouais. Ouais, Seigneur. Même quand on aide quelqu'un, c'est comme ça qu'on fait, mon Dieu. C'est comment? Vous connaissez que je suis dans quel... Je suis où? J'ai dormi un peu. Ouais. C'est comment? Tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle, je reconnais. Mais laissez-moi faire le direct demain. Je vais faire le direct demain, c'est comment? C'est quoi cette pression-là? Vous pensez que moi je me repose? Ouais, mon Dieu. C'est comment? C'est comment? C'est comme ça qu'on aime une personne. Mais respectons, moi j'ai dit que je fais le direct demain, c'est comment? Oh, les abeilles sont fâchées. Les abeilles sont tout. Ils sont fâchés, fait quoi? C'est comment? Vous voulez seulement que je fasse l'accident avec la voiture? Pour que vous sachiez que je reconnais qu'on m'avait aidé. C'est comment? Je ne suis pas encore arrivée chez moi. J'ai dormi un peu à Aimon, je me suis levée tôt. C'est maintenant ceux qui connaissent le commissariat de Aimon au Bonne. C'est ça le commissariat de Aimon. M'aide, laissez-moi un peu tranquille. Je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci. C'est comment les abeilles sont fâchées. Les abeilles sont fâchées. Que j'ai fait quoi? J'ai tué qui? J'ai fait quoi? Eh mes gens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comment? Oh, que les directs pleuvent. Moi, je dormais. Je me repose même pas. Est-ce que vous savez que depuis que je suis revenue du Cameroun, je ne me suis pas encore reposée? Eh, Apatao! C'est pas possible. Je reconnais qu'on m'avait aidé. Non, c'est comment? Tout le monde m'appelle. Va suivre le direct de tel. Mon frère. C'est comment? Vous connaissez ce que moi je fais seul? Je suis sur la route. Mon Dieu, est-ce que je suis obligé d'aller écouter les directs que les abeilles font? Ouais, mon Dieu, c'est quoi? C'est comment? C'est comment? Mon Dieu, c'est comment? Je suis entré où? C'est comment? Que j'ai manqué le respect aux abeilles, mon frère. C'est vous qui me faites ça aujourd'hui. Tu es sans personnalité, te bloque. Attends, je garde même. Attends, je bloque celui-ci. Je l'ai bloqué. Putain, je traverse même le feu. Merde. Hé, hey, c'est comme ça que vous êtes. Tu nous maîtrises. Bindi, bindi, makundum, au revoir. Je vous ai maîtrisant, méprisé. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas faire ça à une personne que vous dites avoir aimé. Tu es trop facile, dis donc. Ingrid, qui là, au revoir, mamie. Comme ça, tu me verras plus, je serai plus facile. Mais deux. Mais c'est pas possible, parce qu'on m'avait soutenu. Il faut qu'on me dicte. Non, vous ne pouvez pas. Attendez, je vais faire le direct demain. Vous avez compris? Je vais faire le direct demain. Ah, maman. Ah, ouh. Seigneur. Que quoi? Vous faites le direct sur moi. Quand je suis venue sur Facebook, j'étais venue. Vous m'avez soutenu, non? C'est bien. C'est gentil de votre part. Ses fans se retournent. Hein. Merci beaucoup. Hein. Tout ce que je vais vous dire, c'est merci. Ce qui est sûr, je vous dirai le merci là demain. Et tous ceux qui envoient les têtes de mort là, ils veulent vous bloquer parce que il y a beaucoup qui sont envoyés les têtes de mort. Pourquoi vous envoyez les têtes de mort? Laissez-moi faire le direct demain. Hein? Pourquoi vous envoyez maintenant les têtes de mort? Vous n'envoyez pas les cœurs, vous envoyez les têtes de mort. Pourquoi? Quand j'ai publié les gens qui envoient les têtes de mort, mon frère, si c'est que ton fan en veut un tête de mort sur ton direct, c'est pour que tu sois bloqué. Et c'est méchant. Parce que c'est les têtes de mort qui bloquent un live. Vous avez compris? Oh là là, laisse-moi passer, putain.
Laisse-moi passer, merde. Faut pas que je cogne, mon Dieu. Je suis perturbée, là. Merde. Merde, si ce sont tes propres fans qui t'envoient les têtes de mort, ça veut dire que ce n'est pas les abeilles. Les vraies abeilles ne vont jamais m'envoyer les têtes de mort pour qu'on bloque mon live. Ce n'est pas vrai. Je voulais seulement vous dire que j'ai à vous dire demain, à 20h. En attendant, j'ai la route à faire. J'ai 1 heure de route à faire. Je fais la route que j'ai à faire. Et je voulais vous remercier. Toujours, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Mais il y a le genre d'aide que tu donnes à quelqu'un et tu cherches à tuer la personne après. Ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup de gens qui sont masqués en abeilles, ils ne sont pas abeilles. Ils ne sont pas abeilles parce que les vraies personnes qui m'aiment, de vraies, qui me soutiennent, ils ne peuvent pas m'enfoncer et me lyncher publiquement pour rien. Parce qu'il faut que je sois dur, il faut que je ne parle pas avec tes... Non. Les vrais gens qui m'aiment ne diront jamais ça. Ils diront respecte ton choix, mais fais attention. C'est comme ça que ça se passe. Donc ne dites pas que vous êtes des abeilles. Ceux qui me disent que les abeilles sont fâchées, je suis désolée. Ceux qui ont mon numéro, ne m'appelez plus pour me dire ça. Parce que moi j'ai une vie, je suis sur la route, je me suis levée très tôt aujourd'hui. Et je suis encore sur la route. D'accord? Donc il faut que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête parce que moi, on ne me fait pas la dictature. La seule personne que je suis Rupero, c'est ma mère. Je suis maintenant que le Rupero de ma mère. Je ne suis pas Rupero des fans. Je ne suis pas le mouton des fans. D'accord? Je ne marche pas selon le désir des fans. Non. Je vous ai déjà dit que ça peut même être bon. Quel fan va venir et lyncher sa patronne? Quel fan? Quel fan peut lyncher sa patronne, mes chers frères et sœurs? Quel fan peut lyncher sa patronne? Aucune. Quel fan? Quand on dit fan, on a aussi le numéro pour envoyer un message à sa patronne avec beaucoup de respect. D'accord? Je suis une personne publique aujourd'hui. La vie aujourd'hui, c'est la politique. C'est comme ça. La politique, c'est dans tout dans la vie. Ok? Je lave mon image. Je ne suis pas là pour venir commencer à parler faux, à dire des méchancetés publiquement pour que ça cale sur moi que je suis une mauvaise personne. Non, j'ai refusé le rôle là. D'accord, j'ai refusé ce rôle. On m'a donné mon argent, la totalité de mon argent. Je remercie et je reste calme, je n'ai plus rien à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est de remercier ceux qui m'ont soutenu. On est bien d'accord? Donc, ce sont les détracteurs qui profitent pour me lyncher, pour que, avec les abeilles, bien sûr, avec certaines personnes qui disent qu'ils sont abeilles, si tu es abeille, tu peux accepter qu'on me lynche. On lynche quelqu'un parce que la personne. Non. Une abeille ne peut jamais accepter qu'on me lynche. Vous avez compris? Si ça voit le genre de fan là, sincèrement, sans vous mentir, je reconnais l'aide qu'on m'avait apportée. Mais si c'est pour avoir ce genre d'aide, que vous me lynchez comme ça, là, ici au volant, vous ne pensez même pas que je suis rentré du Cameroun, je ne me suis même pas encore reposé. Vous ne pouvez pas faire le travail que je fais. Je fais, j'assume, c'est mon travail. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous me connaissez, moi, je ne vous connais pas, c'est bien. C'est moi qui suis devant. Beaucoup sont en faux profit, c'est moi qui suis devant qui parle. Je dois contrôler ce que je dis et j'assume. Je n'ai pas besoin d'aller vous dire, de venir dire les méchancetés. J'ai déjà assez dit comme ça et c'est bon, c'est tout. Le spectacle est terminé. Le spectacle est terminé. Si vous allez me détester, détestez-moi. Détestez-moi, je vais toujours continuer à vivre. Avant vous, il y avait d'ailleurs les gens qui me détestaient. J'ai dit que je n'ai pas besoin de venir dire les méchancetés. Et je n'ai pas besoin de venir dire que oui, je ne veux, je suis pas votre toutou, ok? Je ne suis pas votre toutou. Et arrêtez de m'envoyer, de m'appeler, soi-disant que je peux te regarder, dire des abeilles. Il faut arrêter, je ne suis pas obligé de regarder. D'accord? Sur ce, je vous embrasse. Du moins, ceux qui me restent, je vous remercie. Et je continue ma route. Après, je bloque tous ceux qui m'ont envoyé les têtes de mort. Je les bloque tous. Le pardon libère. J'ai pardonné. Voilà. La personne qui m'a content saute ici à Argenté, se jette en bas là. Tu parles mal à tes abeilles. Vous croyez que parce qu'on est abeille, qu'on a le droit de me parler n'importe comment? Non, je n'accepte pas. Ce sont des mères de famille. Vous êtes des mères de famille.
Vous poussez les détracteurs à me manquer le respect. Après, vous allez dire que vous me défendez. Si vous poussez qu'on me manque le respect, vous venez me défendre encore. Ça sert à quoi? Merde, j'ai pardonné. Est-ce que je vais faire semblant? J'ai pardonné. J'ai eu ce que je. J'ai pardonné. Point barre. Où est le problème? Vous venez me lyncher. Vous croyez que si vous me lynchez. Ah, quand je suis sur Facebook depuis, on me lynchait déjà. Donc, c'est pas parce que ce qui fait le plus mal, c'est quand tes fans, soi-disant, tu vois même les noms, tes propres fans activent pour ton lynchage. Ça, ça fait mal. Sans vous mentir, ça fait très mal. Hein? Quand ce sont tes propres fans qui lynchent, qui t'envoient les têtes de mort pour bloquer ton live. Non, mais attends. Hein, voilà ça qui est coupé. C'est coupé. Ils m'ont signalé. Ils ont tout fait pour que mes propres fans me signalent. Ou c'est le merci que je veux dire aux gens qui ne veulent pas. Je ne comprends pas. Mes propres fans, qu'on dit que la team, les propres gens me signalent. C'est méchant, hein? C'est très méchant de votre part, hein? Franchement, vous ne pouvez pas vous retourner contre moi comme ça. Non, pourquoi? J'ai pardonné. Si je vois le président en moto, c'est bonjour. On se salue. On se salue pas pourquoi? On m'a donné mon c'est ce que je suis venu réclamer, non? Je le vois et le salue. Vous avez compris? La personne qui n'est pas content, c'est son problème. Je le vois, il y a le bonjour. Bonjour, mon président. Bonjour, bonjour mon grand. Je le salue. Parce qu'il y a beaucoup qui avaient déjà leur rancœur, qui ont profité et tout. Ils m'ont soutenu, mais il y a beaucoup qui ont aussi profité par rapport aux rancœurs. Si ce sont mes propres fans qui m'insultent comme ça aujourd'hui, franchement, je vous dis merci. Vous savez que vous ne m'avez jamais aimé. C'est que des années que vous avez dit que vous m'avez soutenu, c'était des conneries. Vous ne pouvez pas faire ce que... Vos propres mères, vous ne pouvez pas faire ce que je fais là, sur la route comme ça, là, tout le temps. Il y a encore quelqu'un qui m'appelle. Hush! Je te bloque. Tu dis que mes fans doivent me montrer leur mécontentement. Parce que pour que mes fans me montrent leur mécontentement, ils doivent me lyncher publiquement et envoyer les têtes de moi quand je fais un live. Tu crois que c'est comme ça que les fans montrent leur mécontentement? Non, je ne suis pas née avec les fans, moi. Je vous fais plaisir comme vous me faites plaisir. D'accord? Faut pas, c'est kiff-kiff, quoi. Il ne faut pas croire que... faut pas faire comme si je vous avais volé, que je ne vous ai rien volé. Attends, j'ai fait 8 ans. J'ai été amie avec les Amot et sa femme pendant 8 ans. On ne crache pas sur ça comme ça. Pendant 8 ans. C'est vrai que quand vous me dites faites attention, c'est comme ça qu'on leur dit aussi faites attention. Les choses ne seront plus comme avant, je sais. Mais on ne va pas se haïr. On se voit, on se salue. C'est comme ça. Si vous dites que si je les voulais, c'est parce que je vous ai menti. D'accord? Si on se voit, on se dit bonjour. Oh, qui m'appelle? Putain, mais arrêtez de me harceler, c'est quoi? Je crois qu'elle veut même changer le numéro de téléphone. C'est pas possible, ça. On a coupé un verre pour dire que... pour, voilà, pour mettre les choses au clair. Pourquoi? Les gens sont là, oui, tu as accepté qu'on insulte tes abeilles. L'autre jour, tu as accepté que Lolo insultait les abeilles. L'autre jour, aujourd'hui, tu as accepté qu'on parle mal aux abeilles. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Je vais couper, je vais me garer quelque part. Je vais prendre mes esprits, je vais boire le Red Bull. Je vais continuer jusqu'à... Ne pensez pas que ce que vous faites en train de manigancer, que les abeilles, vous faites ça pour que j'arrive à voir entrer en bas du camion. Je ne vais pas entrer. Ma mère m'a mis le jujube aujourd'hui. Vous comprenez, je ne peux pas entrer en bas du camion. Parce que je ne peux pas lire vos commentaires là. Je vous ai en train de vous dire que c'est méchant de votre part. Si elle décide de ne pas me séparer du couple, c'est mon choix, non? Si elle décide que me sépare pas de, c'est mon choix. Où est votre problème? Vous m'avez soutenu pour l'argent, non? Est-ce que vous m'avez soutenu pour une séparation? Non. On est d'accord. Vous m'avez soutenu pour une histoire d'argent. Est-ce que c'était pour qu'on se gâte? Il y avait des incompréhensions. La même chose qu'on me dit, c'est la même chose qu'on leur dit. Faites attention à Flore là. Hein? Vous m'avez soutenu pour l'argent, vous ne m'avez pas soutenu pour qu'on ne se salue plus jamais. Si vous m'avez soutenu comme pour qu'on ne se salue plus jamais, sachez que vous avez menti. Chacun a mis sa part de haine là-dedans, vous mentez. J'ai dit ça. Pourquoi cette méchanceté? Hein? Pourquoi cette méchanceté? Je vous ai dit que je ne vais plus jamais le saluer. Non. Il avait dit qu'il me salue, puis mais c'est la colère.
Si on se voit, on se salue bien même. On s'embrasse même. Dis donc. C'est comment? On a dit que l'argent, c'est tout dans la vie. Il y a ce qu'on appelle la relation humaine qui est là aussi. La personne qui n'est pas contente, c'est son problème. Si tu n'es pas content, tu ne me suis plus, tu quittes. Mais ce qui est sûr, je suis entré dans les fonds. On m'a donné le reste qu'il y avait à me donner. J'ai pris avec deux mains. D'accord? Vous m'envoyez les têtes de mort, vous faites des choses parce que vous voulez que je fasse un accident. Non. Je suis fatiguée, mais je suis courageuse. Mais dès que les détracteurs même t'insultent, ils te disent des choses. Tu peux accepter. Mais les gens qui disent qu'ils sont tes fans, non. Non, mais ça, c'est cruel. C'est cruel. Attends, je veux couper même parce que là. Attendez, je veux couper.